Salut les unboxers, on se retrouve pour de la féerie, on se retrouve pour des fées machin, on a des fairy lights, poum poum, rainbow, musique machin, on va repasser là avec le ring light, on voit mieux, dimmable, tune color changing, musique mode, bref voilà, ça a l'air d'être un filet où... Ça n'a pas l'air d'être une guirlande électrique à proprement parler, comme on a pu déjà en ouvrir, type ruban LED et trucs comme ça. Ça a l'air d'être juste un fil, donc bon, on va regarder ça ensemble. Hein. Ça a l'air d'être de l'USB, ça peut être sympathique. Il y a une télécommande, il y a un bouquin avec du français en page 19, trop bien. La télécommande, il y a hop, le petit truc dessous pour garder les piles. Donc, toc, c'est bon. Ok, RGB machin, 2, 1, 2, 5. Il y a plein de modes, on peut allumer RGB machin. On va voir ce qu'on peut en faire si on peut la brancher ou pas. On va voir si j'ai ça. Ah oui, effectivement, c'est pas un vrai ruban LED, c'est juste un petit fil avec des espèces de trucs comme ça tout le long. Et vraiment juste en USB. Donc vous pouvez mettre ça facilement, genre, au-dessus de votre lit, n'importe quoi, là où vous avez une prise USB, on s'en fout. Le câble est hyper souple, je sais pas si je peux. Je vais pas tout sortir, hein. Je vous confirme que je ne vais pas tout sortir parce que ça a l'air d'être galère à remêler par contre. Mais je vais essayer d'en sortir un petit bout. Je suis désolé pour les bruits à côté, il y a la mascotte qui trouve que, hop, j'aurais pas dû filmer là maintenant. Et qui du coup fait le couillon avec sa balle à côté. Bon, on l'aime quand même parce que c'est la mascotte. Hop, voilà, donc on va remballer ça, on verra, je vous ferai une photo peut-être une fois que j'aurai installé ça. Aucune idée d'où je vais l'installer pour l'instant. Donc, bah, je vous ferai une photo que vous retrouverez sur notre chaîne Discord, que vous retrouverez en description. Il a l'air de pas y avoir beaucoup de LED non plus, hein. On n'est pas non plus sur un truc énorme, mais ça a l'air hyper souple, regardez. C'est pas un ruban LED à fixer ou quoi. Est-ce qu'on a genre combien il y a de mètres? 10 mètres, 66 LED. Ouais, bah si c'est 10 mètres, 66 LED, on va pas avoir cet effet-là, quoi. Je vous confirme qu'on n'aura pas cet effet-là. Alors, si j'étais une prise électrique, où est-ce que je me cacherais? Je me cache là. Est-ce que j'ai de quoi brancher? Est-ce que j'ai de quoi brancher? C'est une excellente question. Bougez pas, je vais voir s'il y a assez de câbles, parce que le câble USB est pas non plus hyper long. Hop, je vais pas mettre ça dans ma bouche, sinon je pourrais pas vous dire quelle taille il fait. Mais on a un tout petit câble, hein, c'est pas non plus. Bon, ça devrait être assez pour vous brancher ça, je pense quand même, pour que vous puissiez jeter un œil. Hop, alors, on branche l'USB dans l'USB, la prise dans la prise. Hop, je vous laisse ça par là-bas. Tac, on branche le truc dans le truc. Yes, ça va. Alors, il y a des boutons sur le. Sur la télécommande, c'est pas la télécommande, c'est un boîtier qui est fixé à la ligne, donc on peut faire on/off, décaler un peu vers le haut, on peut changer de couleur apparemment, ça c'est sympa par contre. Hop, celui-là aussi est assez classe. Et musique, ça veut dire que ça doit marcher à la musique. Là là là! Voilà. Je vais vous couper le son parce que faudrait pas non plus que vous subissiez tout ça. Mais à chaque fois que je parle un peu fort, ça s'allume. Donc ça doit être mixé sur votre musique, mais je pense pas qu'il faille mettre ça trop loin parce que le micro il doit être ici là. Donc si je bloque, ah non, le micro il est pas là. Bah je sais pas où est le micro, mais c'est nul. On va rester là-dessus et on va baisser l'intensité, je pense qu'on peut avec la télécommande. Non, on est au mini. Ok, donc ça marche. Mais
peut-être le clignotement qui... Ouais, c'est le clignotement qui diminue, donc c'est pas l'intensité. C'est sympa, n'empêche, hein, c'est joli, mais... Donc là, bleu, vert, rouge, bleu, il marche pas. Si, c'est bon. Et là, on peut baisser ou augmenter l'intensité. Ouais, là, on peut. Ok, donc plus et moins, c'est bien pour l'intensité. Donc on a K 1h, 4h, 8h, tout va bien. Là on est sur du blanc, chaud ou froid. Différents modes. Ici là ça doit être aléatoire. Mode 1. Plus ou moins, je sais pas ce que c'est. Ça doit être pour changer de mode. Bref, celui-là il est sympatoche. Je sais pas si on peut baisser l'intensité pour que vous voyez bien. Par au-dessus, vous voyez un peu mieux par au-dessus, c'est assez sympa. Bah voilà, franchement, vu par contre l'espacement entre les petites LED là, je vous dirais de pas mettre ça. Ils en font quoi sur la boîte? On voit rien du tout. Mais peut-être mettre ça dans une boîte ou un truc comme ça, histoire d'illuminer à l'intérieur. Mais je pense pas qu'illuminer sur un mur ou sur un sapin, ça pourrait faire effet. Bah voilà. En attendant, bah amusez-vous bien et puis likez, commentez, faites-nous plaisir, faites-vous plaisir. Et voilà, salut tout le monde! Wow!